Nous sommes le vendredi 5 septembre 2014, il est temps de faire un point sur l'actu de la semaine, bonjour. Ce lundi, tout était permis, la nouvelle réforme du permis de conduire se mettant en place. Depuis ce jour, le renouvellement du fameux ex-papier rose devient payant à hauteur de 25 euros. En cas de perte ou de vol, il vous faut maintenant faire preuve de bonne conduite pour ne pas l'égarer. Mardi, c'était la rentrée des classes, des centaines de milliers d'élèves, et le président de la République, François Hollande, était en visite dans un collège de Clichy-sous-Bois. Il a, pour l'occasion, expliqué que l'État mettra les moyens pour former les enseignants et assure partout l'arrivée du très haut débit dans les structures scolaires. Une nouvelle qui a donc de la classe, le président ayant sûrement la fibre sociale. Mercredi, une nouvelle très cohue qui a été découverte par des scientifiques sud-coréens. Ils auraient établi un lien entre la taille des testicules des hommes et celle de leurs doigts. Explication. Messieurs, si votre index de la main droite est plus petit que votre annulaire de la même main, vous avez de bonnes bourses. A l'inverse, si l'index est plus grand que l'annulaire, vous avez des petits testicules. On va arrêter là, cette actu va partir en couille. La suite. Depuis jeudi, hier en fait, une file d'attente commence à se mettre en place devant l'Apple Store de New York. Certains fans de la marque attendent déjà sur place afin de se procurer leur nouvelle pomme d'amour, l'iPhone 6, qui n'a pourtant pas encore de date de sortie officielle. Les rumeurs laissent courir la date du 19 septembre. Confortablement installés, ces férus de high-tech dernier cri se sont bien équipés pour ne pas tomber dans les pommes durant cette longue attente. Aujourd'hui, vendredi 5 septembre, une forte rumeur annoncerait le licenciement de la nouvelle Miss Météo du grand journal de Canal+, Raphaël Dupire. Les audiences en baisse, une chroniqueuse mal à l'aise à l'antenne, son contrat avec la chaîne n'aura pas été pour le meilleur, mais pour le pire. Prochaine édition d'Un Point sur l'Actu dans une semaine, même jour, même chaîne, même heure. Coupez la télé, allumez la radio, lisez les journaux, suivez IEA Sound Studio. Ciao.